Bonjour mes délicieux co-créateurs, nous sommes le 79e jour du défi 100 jours pour vivre ma vie à 100%. Je suis Nathalie Delin et aujourd'hui c'est la loi du potentiel pur. Alors j'irai même plus loin en disant, en appliquant la loi du potentiel pur, je suis en mesure de créer toute chose, n'importe où, n'importe quand. Et donc, on a entamé la deuxième semaine de la méditation de chez Prajapati. Et donc, cette semaine, on va apprendre à attirer. Tu arrêtes, oh, décidément, c'est un enfant. Dès que je suis en train de parler au téléphone ou autre, il faut qu'il vienne me perturber. Donc, tu vas te coucher et tu me laisses tranquille. Va te coucher. Non. Alors, bon, on revient à qu'on était occupé. Donc, cette semaine, on va apprendre à attirer plus d'abondance et de prospérité dans notre vie, en appliquant les lois tirées du livre de Deepak Chopra, les 7 lois spirituelles du succès. Donc, je vous mettrai un petit lien, il faut que je cherche après, et je vous mettrai un petit lien pour trouver ce livre. Et donc, aujourd'hui, la première loi est la loi du potentiel pur. Et le domaine de tous les possibles. Alors, quand tu découvres ta vraie nature et que tu as compris qui tu es vraiment, tu fais l'expérience de l'être pur et tu vas affronter n'importe quelle épreuve et aux situations sans crainte, sans peur. Ainsi, tu auras ancré ton pouvoir illimité. Et tout sera attiré vers toi, tout ce dont tu as besoin, les personnes, les événements, les circonstances qui vont encourager tes désirs et tes besoins. Donc, tout sera attiré vers toi comme un aimant parce que tu seras dans cette énergie. Alors, nous sommes tellement absorbés par tout ce qui nous entoure, par notre quotidien, que nous suivons des conseils ou des opinions, souvent prononcées ou dites comme des vérités, et que nous prenons comme des vérités, mais qui ne reflète en rien notre essence divine. Et donc, par exemple, on écoute les nouvelles, la radio ou la télé, où ils nous disent que les bons postes sont en diminution, que la situation financière globale est une catastrophe. Que les ressources mondiales s'épuisent. Enfin bref, tout ça nous est allez, tout ça n'est aucun vraiment pas porteur de vérité universelle. Rien n'est là pour. Enfin voilà, c'est juste pour. Induire et c'est pas du tout inspirant pour nous tous ces discours. C'est vraiment une projection de l'inconscient collectif qui ne fait qu'amplifier une sensation de manque et une fausse illusion de compétition. Donc ça alimente une fausse illusion de compétition. Donc quand on est entouré de toutes ces négativités, nous ne pouvons pas écouter notre soi profond et notre vérité, notre essence divine. Donc,
nous devons nous mettre en silence et là seulement nous arriverons à nous connecter, à se connecter à notre soi et nous synchroniser avec notre soi profond. Et enfin contacter notre soi supérieur. Donc ça implique de se détacher du négatif et de vraiment recourir à notre pouvoir illimité. Alors, dans la paix, nous pouvons nous relier à notre essence divine et qui, elle, nous indiquera la voie vers nos désirs et nos besoins les plus profonds. Alors, consacrer du temps chaque jour pour entrer silencieusement en relation avec la nature et observer son intelligence parfaite. Alors, une autre technique est aussi d'oublier le jugement. Donc, à chaque fois que l'on juge ou on catalogue les autres ou une situation, on crée des turbulences et on empêche. C'est un obstacle à notre connexion au moi supérieur. Donc, abandonner le jugement nous aide à rejoindre ce lieu de paix profonde pour mettre en pratique la loi du potentiel pur. Donc, plus de temps dans la nature, en silence, se libérer du besoin de juger. Donc on peut se dire aujourd'hui je ne jugerai en rien, je ne jugerai rien de ce qui m'arrive, de ce qui arrive. Et se souvenir régulièrement de cet engagement et progressivement arriver de plus en plus facilement à cet état de potentiel pur. Et de contacter avec aisance son soi supérieur pour être dirigé vers nos désirs et nos besoins. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors je voulais partager aussi que voilà, je sens depuis quelques jours être vraiment, vraiment, vraiment libérée de quelque chose. Et